Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo livresque. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez suivre et avoir en avant-première toutes mes vidéos sur toutes mes lectures et mes films que je vois. Pour arriver à me suivre, ça me soutient et ça me ferait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à cocher « Je m'abonne à ma chaîne ». Aujourd'hui, on se retrouve pour vous parler d'un nouveau roman que je viens de lire. Une fois de plus, c'est un roman francophone. Ça fait extrêmement longtemps que j'avais envie de lire un roman de cet auteur. J'avais déjà lu ses romans qu'il a écrits sur le thème de Noël, qui était un peu plus contemporain, romance, policier. Mais à la base, c'est un auteur qui est aussi extrêmement connu pour la fantasy. Et j'avais envie donc de le découvrir. Il s'agit de Gabriel Gatz, avec là sa trilogie Le Puits des Mémoires. Et donc le premier tome, La Traque, là, que j'ai en édition poche, il me semble que ça devait être aux éditions Scrinéo à la base, que c'était sorti, si je ne dis pas de bêtises, tout à fait, c'est ça. Donc on se retrouve tout de suite dans cette vidéo pour que je vous parle du Puits des Mémoires de Gabriel Gatz. Alors, le Puits des Mémoires, l'histoire du Puits des Mémoires, en fait, ce sont trois hommes. Donc on est dans un monde, voilà, de fantaisie moyenâgeuse. Et on va découvrir, en fait, trois hommes qui vont se réveiller dans des cercueils. Qui étaient dans un convoi qui s'est renversé dans une montagne, donc ils ont réussi à sortir en fait de ces cercueils. Ils sont trois, ils ont découvert un quatrième qui lui est mort dans son cercueil, et il se trouve que ces trois hommes n'ont plus mémoire, ils ne savent pas qui ils sont, pourquoi ils sont là et pourquoi ils étaient dans ces cercueils, qui les avait mis là. Ils découvrent en bas de la falaise des hommes en armure noire et dorée qui sont morts, mais qui devaient donc qui étaient donc leurs gardiens, donc ils ne savent pas qui sont ces hommes. Et donc, ils vont donc partir, se sauver, essayer de trouver refuge, et tout en essayant d'essayer de se rappeler qui ils sont. Et au moment de s'échapper, ils vont découvrir des gardes qui vont s'en prendre à eux, donc ils vont comprendre qu'ils sont recherchés, plus ou moins. Et ils vont réussir à trouver en fait un petit village où ils vont réussir à rester quelques jours dans ce petit village et à finalement reprendre une vie assez normale. Tout en cherchant un petit peu leur don et qu'est-ce qu'il pouvait être avant. Parce que l'un d'entre eux il va découvrir qu'il a des pouvoirs magiques, donc il suppose qu'il serait un mage. Un autre se rend compte qu'il est très doué à l'épée. Un autre sent qu'il a une connexion avec les chevaux, qu'il est assez adroit en fait dans tout ce qui est lancé d'arc et de couteau. Donc voilà, on suit ces trois hommes un petit peu dans leur quête d'identité. Et au fur et à mesure, en fait, de leur traque, parce que ces trois hommes sont traqués et vont être pourchassés, en fait, par ces chevaliers noirs et dorés qui envahissent ce royaume pour retrouver ces hommes. Le royaume dans lequel on est, en fait, était un royaume assez pacifique, qui n'a jamais fait la guerre. Et on va les suivre, en fait, ce royaume qui, par le biais de son chef d'armée, qui va essayer de recruter, en fait, finalement, qui va lancer une quête de tous les mercenaires à la poursuite, en fait, aussi de ces trois hommes pour, en fait, se dépêcher à ce que cette armée de guerriers en armure noire et or, pour lequel ils ont peur qu'en fait, ils en profitent aussi pour envahir le pays, se dépêche de les retrouver et retourne chez eux. Donc, donc ces trois hommes qu'on cherche, qui vont être donc traqués par ces différentes, par le royaume, par ces mercenaires. Par les gardes du royaume, et on sent qu'en fait ces trois hommes vont donc être, au fur et à mesure qu'ils sont pourchassés, sont obligés de quitter à chaque fois là où ils arrivent à s'installer pour aller ailleurs. Donc à travers eux, on découvre le royaume, son fonctionnement et les différents protagonismes qui sont dans cette histoire. Et moi, j'ai passé vraiment un très bon moment de lecture en fait sur ce roman parce que j'étais vraiment pris par ces trois personnages qui sont vraiment intéressants. Mais ce qui m'a un petit peu déçu dans ce livre, c'est que j'ai trouvé qu'il a manqué une vraie trame de fond, une vraie intrigue de fond pour vraiment nous happer en fait complètement. Surtout qu'on apprend assez rapidement en fait qui sont, enfin, le passé de ces trois individus, ce qui m'a un petit peu déçu. Encore qu'on peut se demander, vu quand même que c'est une trilogie, est-ce qu'on est au courant réellement de tout ce qui concerne ces trois hommes? Je ne pense pas. Je pense qu'on en apprendra encore plus sur les autres tomes, mais voilà, ou alors que même si nous on le sait, eux finalement ils l'apprennent sans qu'on sache comment ils l'apprennent. Ça on voit pas forcément cette scène, donc ça m'a un peu dérangé. Il y a des petits sauts comme ça qui m'ont un petit peu dérangé.
Néanmoins, il y a des petites touches d'humour. On retrouve vraiment une petite touche d'humour qu'il pouvait avoir en fait dans ses romans sur Noël, comme je disais au début, que j'ai lu, qui sont intéressants et qui sont, voilà, qui rajoutent, ça apporte vraiment un petit coup de fraîcheur en fait dans cette lecture. Donc les petites touches d'humour sont vraiment bienvenues. L'histoire est néanmoins intéressante, mais pareil, il y a un personnage. Je me demandais à quoi il a servi en fait. Réellement, je m'attendais à autre chose de ce personnage et au final, il n'a servi quasiment à rien. Donc, il y a des petites choses qui m'ont un petit peu dérangé dans la lecture, mais ça ne m'a pas empêché de passer un très bon moment de lecture sur ce roman. J'ai envie de savoir la suite, donc je lirai la suite du Puits des Mémoires. C'est voilà, un roman plutôt intéressant, avec des petits bémols qui. Un petit peu dommage, et c'est vrai que j'aurais aimé une petite trame un peu plus, voilà, d'intrigue un peu plus efficace derrière. Pour avoir encore plus envie de lire la suite. Donc, si vous aussi vous avez lu Le Puits des Mémoires de Gabriel Gatz, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse en parler. Et si vous avez même lu autre chose de Gabriel Gatz aussi. Et puis, sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à bientôt!